Ah oui, j'ai mis la petite chemise aujourd'hui. Je me suis dit, allez, on y va, la chemise du Brésil que j'avais mis pour le carnaval de Rio. On parle pas trop du Brésil, vous connaissez la chanson, vous savez ce qui s'est passé là-bas, je vous mets le vlog juste là. Voilà, mais on a retenu que du positif et que du bon. J'ai pu mettre cette belle chemise qui m'a coûté 3 bras pendant 20 secondes parce que quand on rentre dans le côté VIP du carnaval, on n'a pas le droit de mettre les habits qu'on veut, on doit mettre tous le même t-shirt vert pouilleux. Donc j'ai acheté cette chemise pour rien, mais enfin c'est pas grave, je la mets là parce que samba, samba, diga meo. Bref, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mon Dieu, laissez-moi boire le chocolat. Parce que je sais pas pourquoi j'ai des idées aussi connes que ça. Je me dis, est-ce que les gens vont rentrer dans mon délire, vont se dire, oh, mais c'est une super idée de vidéo. Ou alors, est-ce qu'ils vont se dire, mais en fait, Nolito, là, il sait plus quoi faire. Et en fait, il nous montre des vieilles gauges. Voilà, je pense qu'en voyant le titre de la vidéo, vous allez vous dire, mais le pauvre, quoi. Enfin, genre là, il est en train de tomber dans l'oubli comme... Non, je dirais pas qu'il est tombé dans l'oubli, ça se fait pas, quoi. Il fait toujours aussi chaud ici, mais enfin bon, écoutez, on va plus se plaindre, hein, on va s'y habituer. On a bien compris que la planète, elle allait nous jarter, vu tout ce qu'on cause. Donc écoutons, suivons tous de l'arrêt du cul jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a des bêtes qui sont en train de se couler sur mes lumières. Hein. Mais t'as cru que c'était une cabine UV, ma sœur? Allez, n'a pas le temps, on passe au générique. Générique! Where she been, Serena? And who I am? That a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, Nolto no. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh là là, Nolito, un jour, s'est promené sur internet et s'est dit « Mais elle est bizarre cette paire de chaussures, mais celle-là aussi. Mais pourquoi je ne ferai pas les 10 tatanes insolites ?» Il y en a, je vais peut-être risquer ma mort. Et il y en a d'autres, on va juste découvrir ensemble l'étendue des dégâts de ce que j'ai pu trouver. Parce qu'en fait, sur internet, c'est le gouffre de Helm. Moi, le gouffre de Helm, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans Seigneur des Ardons, c'est un gouffre. C'est l'endroit où ils se battent dans le deux. Pour moi, c'est genre en mode, on se retrouve là-dedans et on ne sait plus quoi faire, quoi. Et en fait, tu te retrouves sur internet et tu vois, tu peux faire les 10 tatanes insolites comme j'aurais pu faire les 10 tasse de thé insolite. Il y a tellement de choses. Et puis, du côté du continent asiatique, ils ont des idées dans l'air. Hein. Je sais pas ce qu'ils prennent le matin pour avoir des idées comme ça, mais j'ai trouvé des paires de pompes de l'espace. Nous allons commencer de ce pas. Ah bon, on commence bien. Je suis tombée sur des gens qui se promènent avec des chaussures pieds de cheval ou de mouton. Là, j'ai commencé à regarder ça et je me suis dit, ouais, le monde part en couille. Hein. La dame nature, elle va nous jarter, mais plus vite que le siècle prochain. Elle va nous jarter dans la décennie. Hein. Non, mais c'est quoi ça? Comment on met ça? Désolée pour ceux qui ont peur des pieds, qui ont la phobie des pieds. Me foutez pas mes pieds sur un atout. Elle m'a dit, dès qu'on fout ses pieds sur Internet, ça finit sur une bibliothèque de pieds sur Google, Wikifit ou je sais pas quoi. Je sais pas. Elle m'a dit qu'elle avait ses pieds là-bas, Natou. Moi, je veux pas avoir mes pieds là-bas. Je suis en train sérieusement de mettre un pied de bouc. Je vais rester bloquée. Mais je suis gênée. Ah, je suis en train de me péter le tendon là. Ah, mes poils. C'est en train de m'arracher les poils. Oh, les gens, ils se mettent ça sur le pied, mais ils sont péter de la tête. Bon, écoutez, je vais mettre le portable au bon endroit et je vais faire un petit défilé avec. Mais je peux pas marcher, j'ai les talons coincés. Voilà. Mais... Mon Dieu Seigneur. Je suis en 0,5, donc si vous me voyez hyper grand et on dirait que je suis un peu plus mince que d'habitude, c'est le 0,5. Ne vous faites pas avoir par les Instagrammeurs, c'est la grande mode de foutre du 0,5. Les gadjis, elles ont des jambes, elles font 3 mètres de long, dirait Adrien Lacarambeu. Faut arrêter. Hein. Voilà. 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 Allez, je vais arrêter avec les voilà. J'arrive pas à lever cette putain de... Non, là, par contre, ça me fait pas rire. En plus, je suis là-dedans. Connasse! Excusez-moi, faut être poli. Écoutez, vos mamans, c'est pas bien d'être mal poli. Mais t'étais où, toi, Pamela? Tu viens dire bonjour à la caméra. Les gens, tu leur manques. Viens dire bonjour. Allez! Oh, tu peux monter. Elle est de plus en plus flemmarde, cette chienne. Bientôt, enfin, je la porte pour la mettre sur le canapé. Eve, lève-toi et danse avec la vie. Allez, tu dis bonjour. Voilà. Elle vous dit bonjour en langage de Pepumba. Allez, je continue la vidéo. Et après, on jouera au frisbee. Aïe. Jouer au frisbee? Allez, tout à l'heure. Putain, va aller me le chercher, c'est sûr. Allez, on continue avec une deuxième paire de pompes. Mais je me dis, mais comment les gens peuvent regarder ce genre de vidéo? Genre, vous faites chier là, non, à regarder ça, non? Oh, j'adore Soso Alien, Soso Route 66 aux États-Unis. Je vous sais, je peux te dire qu'ils m'embarquent, les aliens. Bah, je serais peut-être mieux dans l'espace que sur Terre, parce qu'en ce moment, c'est pas la joie. Hein. Regardez-moi ça. C'est des Crocs du futur. Elles sont trop belles. Non, elles sont trop belles. On dirait des toiles d'araignée d'Alien, hein, s'il te plaît. Ça me fait penser au film Alien, tu sais, où le truc qui te saute à la gueule et t'es là. Mais ça, vous voulez rire. Mais c'est pas que pour la vidéo, nanana. Je vais les porter. Regardez ça, je me les mets comme si c'était les chaussures de la cendrille. Mais on est super bien dedans, en fait. Mais c'est ingénieux. Ah non, mais là, il faut que je fasse un défilé, là. Oh, Pamela, franchement, c'est dommage que t'aies pas des pieds. Parce que là, tu serais. Bah, tu serais trop belle avec. Là, tu vas me jalouser. Tu fais un défilé avec papa? Allez, viens.
Oui, mais si tu avances en même temps que moi, on voit pas mes pieds. Tu veux toujours voler la vedette, en fait. Tu vas là-bas? C'est bien, ma chérie. Assis. C'est bien, pas bouger. Arrête de voler la vedette. On dirait les jumelles Olsen, là. On a toujours une qui veut essayer d'avoir la vedette sur l'autre. Oh! Oh! Hi, this is me, E.T. Illustratorex. Tu m'as fait peur, toi. I love it. Thank you, everyone. Love my life. J'adore. Franchement, je recommande. Alors, si vous me demandez les références, je vous les donnerai pas parce que c'est des chaussures que je trouve, je vais vous l'avouer, à 3 francs 6 sous sur Internet. Je pense pas que ça doit être fait avec qualité. Ça se trouve, j'ai peut-être avoir un cancer de l'orteil. Donc, je préfère pas donner les refs. Franchement, vous tapez sur Internet chaussures aliens, vous allez trouver. Hein. On continue. Ben, je vais essayer, mais la paire de... Il y en a qui l'ont déjà vu sur mes réseaux sociaux. Je l'avais déjà, cette paire, mais il est nécessaire que je la mette dans cette vidéo. Les talons de Lady Gaga. Les talons sans talons. Vous allez voir comment je marche super bien avec. J'ai pas intérêt à m'étaler la gueule. Hein. Ce sont les talons Lady Gaga. Pour la petite anecdote, je suis allée voir Lady Gaga au Stade de France en 2012. J'avais dormi 24 heures dehors pour être dans la fosse Little Monster. J'avais réussi, bien entendu. J'étais 299e sur tous les 90 000 qui étaient dans le stade. On n'avait pas réussi à dormir de la nuit. Il y avait des rats. C'est la première fois que j'ai compris pourquoi on disait qu'il y avait tant de rats à Paris. Parce qu'au Stade de France, on les voyait marcher. Enfin, limite, c'est eux qui faisaient la queue pour voir Lady Gaga, les rats. Donc, fallait pas les faire chier. Hein. C'est des tarés, les rats, là-bas. Tu les fais pas fuir. C'est toi qui fuis. Hein. Wouh! On y va. Ra 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 ah ah rama rama ma gaga ooh la la what your bedroom means. Bizarrement, là, tu t'approches pas de moi. T'as peur de ses talons. Elle m'a déjà vu m'étaler la gueule. Je pense qu'elle a la phobie de ses talons. Viens voir les talons. Viens. Toi, tu m'as déjà vu tomber avec. Voilà, ça, c'est des talons de qualité. Je suis sûre que ça me fait des mollets de ouf. Ben, des pas trop, les gars. Je suis déjà pris. Non, c'est pas vrai. Je suis pas pris. J'ai jamais été pris. Donc, enfin, ça dépend comment. Je reviens. Wouhou. J'ai failli partir dans le décor, mais tout va bien. On continue. On continue. Le dernier, je sais lequel ça va être. Le dernier, je pense que ça va être la cata. Ça va être la Java de Broadway. Je vais peut-être foncer dans un mur. C'est le remake d'un overboard, mes chaussures. Vous êtes pas prêts. Allez, ça. Qu'est-ce que c'est? Qui s'est levé un matin et s'est dit, tiens, je vais mettre des chaussures poisson. Par contre, ça va bien avec ma chemise. Je me suis accordé aux chaussures, tu sais. T'imagines là? J'ai rien livreur qui arrive et je pars comme ça, habillé comme ça, avec des chaussures poisson. Mais c'est gavé agréable en fait quand t'es dedans. Ah, on dirait qu'ils me bouffent l'orteil. Ah, le pauvre poisson. C'est quoi ça? C'est bocaliao? Putain, il faut pas que je mette ça trop près de ma mère parce qu'elle va croire que c'est un vrai poisson, elle va me le faire cuire dans la marmite. Encore un défilé? Putain, la vache, on s'arrête pas. Oh. Chaussures poisson, voilà. On n'oublie pas les poissons, les mammifères marins, dans l'océan, pas dans vos aquariums. Ils ont rien à faire dans un petit aquarium de 2 litres. Mais ça, c'est le crabe. J'ai fait le poisson crabe. Bon, écoutez, vraiment, je suis très calée en animaux marins. Je sais même pas faire le poisson. C'est du Gucci. Vous pouvez retrouver sur le site. Ça vaut 600 euros. Et non, la marque, c'est Made in China. Voilà. À vos risques et périls, si vous commencez à avoir un pied qui commence à se transformer en trognon, c'est pas mon souci, hein. Je vous incite pas à acheter ces trucs, hein. Au suivant. Mais on se fout de ma gueule, hein. Non, mais attendez, c'est la première fois que je vois ça. J'ai acheté une paire de pompes, il y en a qu'une. On est dans quel pays? Ils sont monojambes ou quoi? Il y a marqué WUH, c'est pas Wuhan quand même. Voilà, je vais peut-être lâcher un nouveau virus en France, mais tout va bien, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai acheté une paire de pompes, mais il y en a qu'une. Franchement, le respect, ben il est pas dans ma vie, hein. Belle lurette qui s'est jartée. Je sais même pas si je l'ai vue. C'est des chaussettes chaussures qui permettent de nettoyer les sols en même temps, ça enlève la poussière. C'est ingénieux. Mais est-ce que ça marche? Nous allons voir. Qui c'est qui m'appelle? Oui, allô? J'arrive. Putain, c'est pas ma préférée, c'est le beau gosse de livreur. Et moi, je suis fait comme ça avec une chemise. Il va dire, mais qu'est-ce qu'il fait, Carlos, là? Bon, attendez, j'y vais avec mes chaussures aliens, hein. Écoutez, la Pamela, elle vient pas. Elle a décidé de draguer mon mec. Il m'entend? Ah, mais non, il m'entend pas, c'est vous qui m'entendez. Je lui ai même pas dit bonjour, je crois que j'étais... Moi, il m'est tellement mignon, je sais pas quoi dire à chaque fois. Là, en plus, il était en train de caresser Pamela. Il regardait plus Pamela que moi, d'ailleurs. Ça, c'est le résumé de ma vie, quoi. Soit on regarde mes copines, soit on regarde mes chiens. Oui. Non, mais attendez, ce truc est pourri, hein. Les petits filaments violets, ils tombent par terre. Ça cradosse plus le sol que nettoie. Alors, je vais vous le dire, sincèrement, n'achetez pas cette merde. Je le vois, il y a quelques petits trucs. Regarde, elle en a plein la gueule des trucs violets, là. Ma pauvre chienne. En fait, ça balance la poussière de l'autre côté. Ça retient rien du tout. C'est zéro. Ah, je dirais que je suis en chaleur, mais j'ai juste chaud, en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est une deuxième paire de chaussures aliens. Vous allez être jaloux. Je m'en souviens plus trop, mais si, si, je m'en souviens. Celles-là, elles sont du turfu. Comment c'est stylé et encore aux couleurs de ma chemise. Je vous jure, j'ai pas fait exprès, mais mon cerveau, il doit trop réfléchir tout seul. Oh! Mais attends, mais moi, j'ai envie d'aller faire mes courses avec ça, en fait. Oh, qu'elles sont belles. Oh, Seigneur, j'ai un orgasme. Regardez-moi ça. Là, j'ai pas les mots. Je sais pas quoi dire. J'ai pas de conneries qui sortent. C'est stylé. J'aime beaucoup. Il y a tellement de caméras partout, je sais même plus où regarder. Je regarde là, je regarde là, je fais ça, je fais ça. Non mais voilà, elles sont trop trop belles et je les recommande. Par contre, elle a grillé ou quoi, l'insecte qui était sur ma lumière là? Suivant. Ça, je suis super excitée. En plus, elles sont roses. Là, vous devez vous dire, bah ouais, c'est des chaussures quoi. Mais alors, attendez.
C'est des chaussures où tu peux rouler avec. Ah! Pardon, excusez-moi. Franchement, je suis vraiment dans l'excès. Ça fait de la lumière. Je vous jure, ça fait... Elle a... Waouh, ça, mais c'est super stylé. Non, mais attends. Je vais en date comme ça, t'imagines, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? What the fuck? Do you have a problem? Et là, franchement, le mec, s'il veut pas me pécho. Et là, regarde, je lui fais... Ouais, j'ai des lumières à la chaussure. Et en plus, je peux faire du roller. Ça fait pas de lumière, celle-là. Ah, il y en a une sur deux qui marche, donc le date, il va me dire, finalement, c'est pourri, en fait. On y va. Ouah, j'avais oublié qu'il y avait le truc. Ah ouais, ça part direct, ça rigole pas. Eh, mais c'est un truc de fou. Mais comment on fait? Là, tu peux marcher, et en même temps, tu peux rouler. Mais ça roule pas. Mais tu roules que derrière, hein. T'as qu'une roue derrière. Comment tu fais? Mais non, mais c'est nul. Mais ça marche pas. Ah, qu'un seul pied, alors. Non, je vais m'étaler. J'ai peur, je suis en train de suer, oh. J'ai pas envie de me faire un lumbago, moi. Je suis souple. Attendez, il me faut une pause là. Ah, c'est bon, je l'ai. Comme ça, et là tu roules. Mais t'es obligé de rouler sur la pointe des talons. Non, c'est bon, c'est de la merde. C'est de la grosse daubignasse. Allez, à jeter, poubelle. Attendez, je suis liquéfiée là. Alors, on y va. J'ai acheté des talons, évidemment. Cette fois, pas des talons sans talons, mais des talons d'une taille. Mais je vais faire la taille que je rêverais d'avoir. Non, j'aime bien être petit. Je fais 1m63 et franchement, moi au moins, je me prends pas les branches, je me prends pas les meubles en hauteur. Même quand je tombe tellement pas bas que je me fracasse même pas. Hein. J'ai même pas le temps de tomber, je suis déjà au sol. Alors, mais je pourrais faire un 24 heures en talons. Hein. Oh là là, si vous l'idée vous donne envie, dites-moi. Attends, mais il n'y a pas que le talon là, il y a aussi le talon devant, c'est quoi ça? Madre mia de mariposa. Je peux même pas faire une gorge profonde avec ça, je m'étouffe tellement qu'il est long le truc. Je relève le défi et si jamais ça vous dit, je fais un 24 heures en talon. Je pense que ça peut être drôle. Ah, ah si c'est bon, ça rentre. C'est le temps que ça se fasse. Oh, au moins je touche le sol, vous savez, moi des fois quand je suis assis, j'arrive même pas à toucher le sol tellement je suis petit. Oh, mais je monte, oh mais je suis au ciel. What? Non, Pamela, pousse-toi parce que là je pourrais te transcender en deux, te taillader. Attention à faire le défilé. J'aime Jean-Paul Gaultier. Voilà, c'est Jean-Paul Gaultier, hein, le défilé. Magnifique! Hola, mi amor, te quiero, beijinhos. Et je gère un talon, hein. Ma reine gagne tout, ma reine gagne tout, 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 what you want, ma reine gagne tout. Oh, c'est comme ça qu'on voit la vie en grand. Moi, je découvre ma maison, là, en fait. C'est hallucinant, quoi. S'il te plaît, j'arrive à toucher mes lumières. Je les touche pas, mes lumières, même en sautant. Ouh, je faisais exprès. Non, c'est pas vrai, j'ai douille, là, j'ai mal à la cheville. D'ailleurs, les chats, ils sont montés en haut du rideau, quoi, il y a des trous. Je découvre des nouvelles choses. Simone Serge, ça va chier. Par contre, vous devez vous faire les mollets, parce que moi, j'ai les mollets hyper contractés là-dedans. Enfin, franchement, les meufs qui portent des talons, elles doivent avoir les mollets de Thibaut InShape, c'est pas possible. Ouh, attendez, je me rassois, je m'essuie, parce que je suis un beluga. La 20e paire de chou... Ouah! Il y a un gros orteil qui dépasse. Je suis en train de dire, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah, ils ont fait des veines sur les pieds et tout. J'adore les veines. Oh, les veines, là, des mecs, là, comme ça, quand ils ont des veines sur le corps. J'adore ça. Je sais pas, je trouve ça sexe. Mais là, les veines sur les pieds, ça me dérange. Regardez-moi cette paire de pompes. Je vais la garder. Comme ça, si on me dit, t'as pas des chaussons? Tiens, aïe. Ah, mais c'est hyper étrange. Je peux même mettre mes orteils dans les orteils. C'est trop drôle, putain! Ah, j'ai des pieds d'ogre, tu sais. Bah, en fait, tu rigoles, mais ceux qui font du 45-46, vous devez avoir des panards comme ça, hein. C'est pas méchant, hein. Mais franchement, moi, je veux dire, je fais du 38, donc j'ose imaginer 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Il y a quand même 5, 7 pointures de différence, donc vous devez avoir des pieds, laisse tomber, c'est des morceaux de pain. Regarde, pas mes pieds! Non, là! Bon, tu laisses tomber, là, rien compris. J'adore. Je mettrais ça dans la vie de tous les jours. Tu vois, je vais à un festival, je peux mettre ça. Tu vas à un festival, tu mets tes chaussures, tu les prends blanches, elles redeviennent noires parce que les gens t'écrasent les orteils. Autant mettre ça directement. Des faux pieds sur mes pieds, c'est Inception le truc. C'est... Ça n'en est qu'un écu. Ça n'en a ni queue ni pied. La dernière paire, mesdames et messieurs, m'a coûté un bras d'enfant. Je ne savais pas que ça existait. Et mon esprit de ravager m'a dit, James, les hoverboards existent. Pourquoi pas les chaussures board, un truc comme ça, quoi. Ce sont des chaussures où tu peux avancer comme des trottinettes électriques. Attends, il y a des roues et tout, c'est pas un scooter le truc ou quoi? Oh, c'est une blague. Ah non, non, c'est impossible. Ah ben, il y a une notice, merci. Manquait plus que ça qu'il n'y ait pas la notice. Pousse-toi, Pam Pam. Là, papa, il est stressé. Je vais appeler les pompes funèbres, hein. Je pense que c'est déjà là où je vais finir, hein. Melinda, j'arrive, hein, Melinda. Donc, en fait, il faut appuyer sur le bouton. Il faut que je le mette droit. Déjà, non. Ça tient pas. Bah écoutez, les gars, on va essayer parce que bon, j'ai pas acheté ça pour avoir peur. Je vais mettre mes petites chaussures aliens parce qu'il faut des chaussures quand même. Imaginez, je fais le hoverboard avec des talons de 15 cm. Non, je le fais pas. N'imaginez pas trop parce que je le ferai pas. Oh là 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 là. Pam pam, j'ai peur. C'est censé tenir droit. Ah, ça tient droit.
Mais non, ça tient pas droit. Mais qu'est-ce que c'est ça encore? Mais c'est moi qui suis con ou quoi? Non, mais t'as vu ça? Comment ça part au quart de tour? Mais je vais foncer dans le ravin. Waouh! Il avance tout seul, le type. Mais c'est quoi ça? Mais non, mais pars pas! Tiens droit. Mais c'est truc de fou! J'ai peur. Non, mais ça va pas ou quoi? Tu peux pas tenir comme ça dessus. Mais comment les gens ils font? Qu'est-ce qu'on fait? Tu bouges pas! Non, tu arrêtes de bouger! Mais je le parle comme si c'était un chien, le truc. Regarde ça, il m'emmène derrière! On va aller devant, devant. Ouh! Attends, voilà. Mais il y a qu'un pied qui... L'autre, il se suicide! Je vais mettre un pied après l'autre. Non, mais... Mais il part! Qu'est-ce que c'est que... J'ai pas pété, hein? C'est mon genou sur le canapé, hein? C'est bon, je l'ai. Non, non, non! Ça! Mais ça va! J'ai mal, là. Là, j'ai mal. Il s'en va avec ma gauche! J'en ai marre. Je sais pas s'il y en a qui l'ont chez eux. Expliquez-moi comment ça marche, parce que moi, j'ai vraiment pas compris. C'est de la merde, mais de la merde. À tel point que ça bouche les chiottes tellement que c'est de la merde. J'ai le bras pété, et à un moment donné, ça m'a écarté les fesses. J'aurais jamais pensé que je pourrais autant écarter les fesses tellement que mes jambes sont parties. J'ai fait un appel d'air et tout, limite. Bref, je pense avoir fait tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aimez des idées ravagées comme ça, de 10 trucs chelous. Je sais pas pourquoi je suis partie sur des tatas. Je vous fais de gros bisous, mes goussedai, et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.